Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode du Let's Play sur Darksiders Warmastered Edition. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Précédemment, on était arrivé sur Terre, c'était la merde. Alors, on a provoqué le jugement dernier, sauf qu'apparemment les cavaliers n'ont pas été appelés. Du coup War essaye de trouver qui a appelé le destructeur et qui a appelé les forces du destructeur et a causé la merde dans le monde. Voilà. Voilà. Et là nous nous rendons vers le trône. Enfin, la corne de mes chers ancêtres, sortis enfin d'un sommeil sans rêve. Alors, nous sommes libres. Personne n'est libre tant que le destructeur respire encore. Le destructeur, oui. À son service, nous sommes contraints, mais ennemis nous restons. Donc, ses ennemis sont nos amis. Darksiders 2, là pour l'instant, ça tient. Dans 2, j'ai plus de cela, j'en ai tant moins bon. Bien meilleur. Je vais souvent les comparer à les deux, et vous m'excuserez, mais je suis obligé de comparer dans Darksiders 2. En fait, le seul défaut de Darksiders 1, c'est le gameplay très lourd. Darksiders 2, c'est ça bouge partout. C'est le. Il bouge tout le temps. C'est abusé, il bouge tout le temps. Thank you.
Ah ah ! Pierre d'éclat de vie. Ça va être pour augmenter notre jauge de vie. J'aime bien le ils me disent ouais c'est triangle pour remonter, ouais ouais. C'est un problème de perspective. J'appuie sur croix, ça marche. Bon bah voilà, j'ai envie de te dire. Tant mieux, si elle touche pour remonter, il va me plaindre. Alors, après de là, il n'y a pas énormément de défauts, il y a des défauts sur le jeu et... Personne censé dira que le jeu est peut-être un peu trop lourd en termes de gameplay. Mais il a des qualités indéniables et voilà, avec une histoire qui est certes très facile, très simple. Moi vouloir racheter mon honneur. Mais l'histoire. Elle m'a fouillé un peu parce que moi c'était une réserve que je faisais. Ma première run, je chouillais très peu. Enfin, je pense pas bien un boss après, je crois. Ah! Absorbeur de chaos exalté. La sorte de chaos se nourrit d'énergie au moins, c'est plus simple. Déjà maintenant. La suite c'est par là, hein. Mais non, on va aller par là en premier. Voir est-ce qu'il y a un sympa. Là je lance la question ici. Il y a un jeu que j'aimerais bien vous refaire. J'aimerais bien vous refaire les caches en vidéo. Du coup j'ai... Ah oui. Ah Vuldrim, voilà. Là ça veut dire Vuldrim pas loin. Ça. À droite ou à gauche? Et à droite. Ouais, le dream est là. Voilà, cercle de Vuldrim. Un nouveau cercle de Vuldrim a été ajouté à la chronique. Ah oui, ça c'est la classe, bon, je peux pas y aller tout de suite. Là c'est une salle de boss normalement. Il y a pas mal de boss dans le jeu, je préfère vous l'avertir tout de suite. Il y en a, ça va bien se passer. Il y en a d'autres, ça risque d'être compliqué. Mais normalement, il devrait pas y avoir de rush key et tout. Pas de. On va aller être plutôt soft. Mais je tournerai pas les vidéos très tard. Là, il est 23h30 par exemple. Ce sera la dernière vidéo de jeu. Cette vidéo, c'est comme le dernier, le 16 juin 2024. Alors, cette vidéo doit sortir bien plus tard. En fait, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sort. Là, on peut pas y aller parce que c'est bien. Maintenant c'est juste après je crois on va battre ce boss là et c'est fini. Ah oui, bonjour. Domaingul Stragadur Nomstraga Sundara. Sais-tu ce qui est emprisonné ici? Il y a des choses dont tu devrais te méfier, cavalier. Avant, tu étais puissant. Mais à présent, tu es faible et tu es tout seul. Le destructeur est au courant de ta venue. À l'heure qu'il est, il envoie.
fois, c'est Légion contre toi. Alors je dois faire vite. Papa, il tourne une vidéo, mais... Brisez-le ! Sont à peu près de cette difficulté là, donc ils sont pas extrêmement. Par contre, c'est. Par ici ! Mais j'ai compris, tu sais, j'ai pas besoin de toi pour comprendre. Voilà, hop. Il y a un délire avec le sang sur le. De là, ça va aller. Ça va aller. Oui, il faut aller là-bas. Oh, merde, ça va aller, c'est perdu. Tu es venu jusqu'ici pour m'exécuter. Ils auraient plutôt dû vous envoyer tous les quatre. Je n'ai aucun intérêt à vous éliminer, Samael. Le destructeur, il n'est pas à ta portée, ni à mienne. La prison a-t-elle fait de vous un lâche ? Il y a peut-être un moyen. Mais tu vas devoir entrer dans la flèche de la tour du destructeur. La tour est gardée par quatre de ses élus. Apporte-moi leur cœur et ne pose pas de questions. Je te viens en aide parce que j'ai des raisons. Où puis-je trouver ces gardiens ? D'abord, trouve la cathédrale obscure où se cache Tiamat, la reine Chiropté. Tout son domaine est un véritable brasier. Par la terre, tu ne l'atteindras jamais. Rejoins le niveau supérieur avec ceci. Et rapporte-moi son cœur. Encore vivant. Un instant mignonnerie à côté. Excusez-moi, je vous ai soufflé à la gueule. C'était pas prévu. C'était pas prévu, je vous promets. Attendez, on va juste aller voir Vuldrim parce que normalement on va pouvoir acheter quelque chose de très intéressant.
ça vous l'aurez compris, hein. Je vous avais dit on pouvait pas y aller tout de suite, et bah on peut y aller maintenant. Mais avant ça on va aller voir Vulgrim. J'ai compris. Donc voilà, tu fais un double saut et voilà. Tu fais un double saut et tu maintiens la touche X. Croix du coup, vous l'aurez compris, il va falloir aller à la fameuse cathédrale obscure. J'avais été bien plus loin, moi. J'étais dans un désert, je crois. Il y a toute une session dans un... Attendez. Oh. Voilà, éclat de cours. Pareil, hein, vous avez compris le truc. Celui de tout à l'heure, c'était pour la vie. Là, c'est pour avoir une barre de plus de cours. Putain, j'ai pas assez. Il manque 100. Peut-être j'aurais dû les tuer les autres avant, mais... Qui êtes-vous? Ah mais là? Die. Le chat qui est sur ma putain de pochette d'ordinateur, j'apprécie énormément. Il va me foutre des poils partout parce que monsieur n'aime pas qu'on le brosse. Alors que sa sœur, oh là là, fou. Ça c'est pas j'apprécie, c'est genre demande. Même pas en fait, je les aurais même pas vus. Et le jeu c'est que ça, hein. C'est que de l'action, histoire, plateforme, voilà. Ce n'est... Enfin, c'est... Ouais, non, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais dans l'idée, vous aurez... Hop. Qui font des speedruns de jeux. J'ai jamais vu un speedrun de Darksiders 1. Le 2, je crois que je l'ai déjà regardé une fois. J'ai déjà vu le jeu. Ça a l'air de chat. C'est quoi ça? C'est le plaid de chat. Merde. Voilà. Plateforme. Oh, je t'aime la plateforme. Oh. C'est un vitrail de Chartres. Hein. J'ai reconnu. Voilà. Easy. Ah, le rythme était mort. Pourquoi tu me regardes comme ça, le chat? Ah oui, je parle. Je parle avec des gens qui m'écoutent. Ah oui, le chat. Je suis un peu papa gaga, quand même. Oh là là. Oh là là. Je vous montre une autre facette de moi. Quel mec qui rage tout le temps, au secours. Le parc suffocant. C'est une zone très particulière. Souvenir. Vous êtes... Ah oui, les fameux. Eux ont pas mal de vie par contre. Dans tout ce que dit la moyenne. Quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est pas que eux, on les traite de manière toujours.
d'avoir les 1000 pour acheter la fameuse fourrure. Soit j'attends 1000, soit j'attends 5000. Mais en même temps, ça veut dire que... Bon, après, je crois que de toute façon, on pourra en avoir beaucoup plus d'âmes. Je sais pas si le mieux c'est d'attendre. Si tu regardes le chat comme ça, y'a un truc qui te plaît dans le... Oh bonjour, t'as demandé. Y'a un truc qui se demanderait quand est-ce qu'arriverait recast, remake, ça arrivera pas tout de suite. Je dis pas que je le cherche pas, mais c'est pas une prio du tout, j'avoue. Je dois bien l'avouer. Je pense à le faire. De toute façon, vous connaissez, hein. J'ai fait tous les remakes depuis le début. Après, j'avoue qu'un petit R5 remake est très cool, mais bon. J'étais tellement loin. Faites chier, vous. Alors, avançons. J'ai pas maintenu la touche. Elle est plus là. Pour nous sortir, on va passer par là. Voilà. Ah ah. Encore. Ah, y'a un petit peu de lumière encore. Aïe. Et oui, ils sont énervants. Je vais passer la tuer, mais ils sont énervants parce qu'ils sont dans les airs et que le gameplay est pas du tout. Le gameplay, encore une fois, n'est pas très. Le gameplay est pas très pratique pour le gameplay aérien, pour les combats aériens. Ah oui! C'est vrai qu'il y a ça. D'ailleurs, je sais même pas combien il y aura d'épisodes sur ce jeu parce que... la durée du jeu, mais je crois qu'on est sur une vingtaine d'heures, mais et puis c'est pas un PS Plus. Voilà, c'est un des... c'est les derniers jeux que j'ai acheté, donc bon, ce jeu, je peux le faire à mon rythme, ça va être bien. Tous les jeux PS Plus sont terminés, donc je... Ah, je vais pouvoir respirer un peu et faire tous les jeux que j'ai envie sans me presser, en prenant vraiment mon temps, d'explorer comme j'ai envie. Oh, le pied. Ah ouais, avant je pouvais aussi, mais... C'est bon, le temps... Quand j'explore énormément de choses, est-ce que j'aurai le temps de... J'ai le temps de tout vous tourner, je ne sais pas. Donc, à l'avantage, c'est que là, le PS Plus n'est plus une contrainte, entre guillemets.
Mais évidemment, je faisais les jeux que je voulais, hein, y a pas de problème. Mais j'étais quand même assez. Attends, mais je sais qu'il y a Vulgrim quelque part ici par contre. Rendez-vous. Ah oui, il est au milieu, Vulgrim. C'est vrai. Alors, et en plus, si je dis pas de bêtises, Vulgrim, c'est un temps de pété. À un moment on peut commencer à se péter et que bah du coup c'est vraiment de notre hub. Ça c'est les ennemis les plus simples à tuer, c'est délire. J'ai 1300 monsieur Vulgrim. Je vais pas vous acheter la faux de War. Hein. La faux de Death. Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Oh putain. Et arme Kourou. On prendra ça prochaine fois. Dès qu'on a mis la lame massive. Et incurvé de la foule massacre plusieurs ennemis en exécutant de longues attaques balayantes. Voilà. Et maintenant vous l'avez vu. On attaque un peu comme Death. Mais en moins dégueulasse parce que Death c'était. Death c'est vraiment le. Encore une fois le combat le plus stylé. Tous les Darksiders. Fury c'est particulier. J'ai fait un petit peu Darksiders 3 quand j'avais pris le PS Now. D'ailleurs je sais même pas pourquoi il était là lui. Mais j'ai eu l'occasion voilà, de tester un tout petit peu Fury. Et Fury c'est très particulier. Son fouet est. Et ouais, très particulier. Faut vraiment aimer. Moi j'ai pas détesté, mais j'ai pas apprécié non plus. Hein. C'est un peu furieux. Ouais, ça me faisait beaucoup penser à Prince of Persia, les deux royaumes, hein, que ce soit. Quand on avait notre alter ego là, qui prenait le dessus, le prince noir. Le prince que j'appelle le prince des ténèbres. D'ailleurs, si vous l'avez sûrement vu passer, bon, j'en aurais reparlé dans d'autres vidéos, mais c'est très drôle. Les vidéos que je vous tourne, ça n'a aucun sens. Je parle de choses que. Évidemment, que vous le savez. Ah! Bon. Voilà. Éclat de Kourou. Pardon. Hein. Déjà ? C'est rapide hein. Ça c'est pour bien plus tard. Bien plus tard, on frappe chauffe. Ça c'était très compliqué dans. Ah oh, oh oui. Oh là la cathédrale obscure ça va être chiant. Je viens de repenser à un truc qui m'avait énervé dans la forteresse, dans la cathédrale obscure. De toute façon, on n'y arrivera pas tout de suite à la cathédrale obscure. Alors, pas tout de suite du tout, hein. On a un petit moment. Nice. Je suis venu pour le destructeur. Mon frère a parlé de devenir. Mais une puissante malédiction me retient ici. Je ne peux pas t'aider. Les malédictions peuvent être brisées. Oui, peut-être. Les serviteurs du destructeur sont invisibles dans le royaume des ombres. Par leur sang, nous sommes liés. Par leur sang, nous serons libérés. Je ne peux plus me déplacer dans le royaume des ombres. Ma puissance a beaucoup faibli. Pas la peine d'y entrer. Je te donne le pouvoir de lire dans le royaume maudit pendant un temps. Mais à quelle fin? Quel espoir pouvons-nous avoir face au pouvoir maléfique du destructeur? Ce n'est pas l'espoir qui vous donnera la liberté. Oui.
délire de me roter dessus comme ça. Hein. C'est un délire. C'est un délire. Trouve où se cachent ces rôdeurs des ombres et tue-les tous. Ils ne peuvent pas être si durs à trouver. Ah voilà. Ça, vous le voyez, ça c'est des trucs. On fera ça, je pense qu'on s'arrêtera. Le jeu, je pense que je troll en disant que le jeu est long. Le jeu est pas long. C'est des arènes. C'est vrai. Voilà, c'est des arènes. Et maintenant, on va affronter des ennemis dans un temps imparti. Ok. Aïe, Plolette. Et il est petit. On va pas tarder à ça. Peut-être qu'on les finira pas tous parce que, comme je dis, il est tard. Bagarre vitesse. Vaincre 40 ennemis dans le temps à partir de rapide. Mais je crois que t'as un gros ennemi à la fin, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le moins de temps possible. Ce n'est certainement pas un défi à toi. Bon, ça va bien. Hein. Peut-être pas avoir la puissance. J'en ai 40, je sais juste le compter, mais pour moi il n'a jamais eu 40 dans le jeu. Voilà. La flèche 10, c'est un peu plus compliqué que juste ça. Nathan, faut apprendre à regarder la carte. Voilà, Nathan moi-même, n'est-ce pas? Bon, on va faire les 4, je pense, et on s'arrêtera juste après. Ça me permet de ne pas finir trop tard. Hein. D'éviter à mes voisins de péter un câble, parce que je fais du bruit. De merde. Alors qu'est-ce qui se passe? Bagarre aérienne. Ah oui. Ok. I got it. Yeah.
c'était facile. Tous c'était vraiment le plus facile. Oh non merde. Voilà qui était amusant. Peut-on recommencer? Ferme ta gueule. Bon, on les prend parce que comme ça on reprend les coffres. Mais pas utile. Normalement c'est pas utile. Mais on les prend parce que le complétionniste qui est en moi me dit de les prendre. C'est pas nécessaire du tout. C'est très simple. Et je vous dis, le jeu est... Le jeu est trop bien. Le jeu est super super. Non, il a vraiment des qualités indéniables. Ça je l'aime trop. Lente. Ah oui. Elle comprend. En fait, faut faire des one shot. Ok. Thank you.
commande, bordel. Excellent. On peut recommencer ? Bon, en fait, c'est bien utile. Hein. Franchement, dans celui-là, le courant pourrait être très utile. Et ouais, je prends un plaisir de fou à jouer au jeu. Alors, c'était pas prévu. Mais vraiment, il y a un truc dans le jeu qui me plaît vraiment. Genre, c'est vraiment un délire. Je me dis, il y a un truc qui me plaît dans le jeu. Un jeu me plaît déjà, c'est-à-dire qu'il est pas si mauvais que ça. Et de deux que bah peut-être que c'est un jeu que je réussirai à vous terminer. Franchement, c'est souvent le problème avec moi, c'est-à-dire que je commence des jeux mais je les finis pas. Comme Mass Effect. Venimeux. Tu as senti bien la santé infectée de la guerre Célus. Ah merde. Ah ouais. Ah mais ça va, c'est ça. Mais ça faut les prendre au dernier moment, enfin, je préfère vous le dire. Il faut les prendre quand tu perds un quart, moitié de taille, il faut les prendre vraiment au dernier moment. Non, c'est ça, c'est bien. Alors, bon. Thank you.
avais ça en toi. Contre-attaque. Les flèches de guerre ont été réveillées et lui permettent de contrer toute attaque physique ou projectile. Appuyez sur R1 avant la réponse. Vas-y. Maintenant retournons vers notre ami le géant de pierre. Ça devait être le dernier, tirons-nous d'ici. Ouais bah calme-toi. J'ai envie de t'affronter. Ok, nos deux est plus puissant. Franchement, tu me défonces en AV1. J'ai combien de dames? Ça va? Putain, j'ai 1900. Attendez, on va aller à Vuldrim. On va s'arrêter à Vuldrim. On a commencé à Vuldrim, on finit à Vuldrim. Voilà. Ça va faire 50 minutes qu'on est ensemble. On continuera la prochaine fois. Salut. Enfin, maître d'armes. Tu es tout aussi sage. Ça apporte à Gabe connaissance accrue à l'armement et la flèche ainsi plus de dégâts à ses ennemis. Ça c'est fort, le tranchant de maniaque. Tu cherches bien trop à négocier, l'ami. Voilà un excellent. Bah, c'était très bien. Amélioration d'armes. Ah, il faut l'équiper, n'est-ce pas, monsieur? Voilà. La faux et on aura une troisième arme du coup. Je sais plus à quoi ça sert. Mais du coup, non, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à le liker, à le commenter, à le partager à vos amis, à vos proches, à qui vous le souhaitez. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, d'activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties des vidéos. En attendant, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.